Ta vie, c'est ta vie. Ne la laisse pas se faire écraser par une soumission. Il y a toujours une sortie. Il y a une lumière, quelque part. Ça n'éclaire peut-être pas fort, mais elle bat l'obscurité. L'univers t'offrira des chances. Vois-les. Prends-les. Méfie-toi de ceux qui cherchent tout le temps la foule pour ne pas être seul. Méfie-toi de l'homme moyen, la femme moyenne. Méfiez-vous de leur amour. Leur amour est moyen. Cherchant la moyenne, ils tenteront de détruire tout ce qui est différent d'eux. Ne pouvant créer de l'art, ils ne comprendront pas l'art. Reste loin des attaches de la médiocrité. Invente-toi et réinvente-toi. Changez votre ton et votre forme, si souvent qu'ils ne puissent jamais vous catégoriser. Sois autodidacte et réinvente-toi. C'est ta vie, c'est ton histoire. Ce présent appartient seulement à toi. Rien de grand n'est jamais accompli sans avoir beaucoup encaissé. Vous serez blessé par des personnes. Ces personnes sont un test de votre endurance, pour voir à quel point vous le voulez. Malgré le rejet et les pires probabilités, oser sera meilleur que tout ce que tu peux imaginer. Si tu essayes de prendre le chemin de ton rêve, cela pourrait signifier perdre tes amis, ton travail. Cela pourrait signifier de se les geler sur un banc public, de recevoir des moqueries ou de rester seul dans l'isolement. L'isolement est un cadeau. Si tu essayes, fais toute la route. Va jusqu'au bout. Sinon, n'essaye même pas. Tu vas parfois te retrouver seul avec l'univers et les nuits prendront feu. Mais fais-le. Fais-le. Si tu peux garder ta tête quand tous ceux autour de toi perdent la leur puis te blâment, si tu peux te faire confiance quand tous les autres doutent de toi, si tu peux attendre sans te fatiguer d'attendre, alors fais-le. Fais-le. Jusqu'au bout. La rage. La rage. Sois en colère contre la lumière qui meurt. Ne tombe pas dans cette belle nuit.